Marie-Paul nous parle. Où en sommes-nous? Texte du journal Le Royaume numéro 71, novembre-décembre 1989. Le 28 août, nous célébrons l'anniversaire de la fondation de l'armée de Marie, laquelle, nous le savons, a été lancée d'une manière imprévisible en la fête de Saint-Augustin, un converti du 5e siècle, dont l'autobiographie sous le titre Confession est considérée comme étant la plus honnête et la plus impressionnante de la littérature mondiale. Ce converti, grâce aux prières de sa mère, sainte Monique, que l'Église célèbre le 27 août, a été honnête en écrivant la vérité, toute la vérité sur lui, tout ce qui était édifiant et ce qui ne l'était pas du tout. Il doit toujours en être ainsi dans les œuvres de Dieu. On dit de Saint Augustin qu'il était capable d'une connaissance de lui-même, et d'un empire sur lui-même peu commun. Il était un pasteur d'armes plein d'amour de Dieu et du prochain, auréolé de l'éclat d'une bonté illimitée, en même temps qu'un évêque fidèle à l'enseignement de l'Église et luttant pour que soit conservée la doctrine de l'Église sur la foi et les mœurs. Extrait du livre Le vrai visage des saints. Marie pouvait-elle choisir un jour plus approprié pour la fondation de son armée qu'elle nous a donnée en vue de notre conversion? par le moyen d'abord de notre réforme personnelle, en prenant connaissance de nous-mêmes et en corrigeant ce qui doit être corrigé, ce qui, en fait, nous conduit à une grande charité envers les autres dans la fidélité aux lois de Dieu. Ce programme de vie, si simple à observer, rejoint précisément celui qui nous est proposé comme modèle à imiter, Saint Augustin, et répond au tableau de l'homme parfait que sa sainteté Paul VI avait tracé en 1968 et que l'armée de Marie avait adoptée, peu après son lancement, en vue de recruter des membres capables de répondre à cet objectif si prometteur pour l'Église. Quand Dieu et Marie conduisent une œuvre, tout se conjugue dans une harmonie qui nous échappe. C'est avec le recul du temps que l'on constate toujours plus la sagesse infinie de Dieu qui gouverne, attentif aux misères de son peuple qu'il aime et qu'il veut préserver des tristesses que le mal engendre. De quelle manière avons-nous répondu à son appel? Où en sommes-nous après toutes ces années de combat personnel intérieur et en plus de lutte faites contre nous? Combat personnel. Nous savons tous que pour aller au ciel, la route est étroite et parsemée de roses et d'épines, de joie et de peine, de douceur et de douleur, de projets heureux et de déceptions. Telle est la trame quotidienne de notre vie. La joie qui passe nous aide ensuite à mieux accepter les peines qui suivent et ainsi de suite. Nous voulons tous aller au ciel, mais nous refusons si souvent les moyens qui nous sont offerts pour nous y rendre. Des moyens si simples, mis à notre disposition chaque jour, car ce sont les petites choses bien acceptées qui nous font mériter le plus vite. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus nous recommande de bien faire les petites choses ordinaires d'une manière extraordinaire. Ce n'est pas compliqué. Par exemple, bien remplir son devoir d'État, sacrifier une sortie intéressante à cause d'un enfant malade, soutenir le moral d'un ami qui demande de l'aide, être patient et bon, compréhensif, dévoué, généreux, etc. S'imposer le silence quand on voudrait exploser. Mille et un détails ennuyeux, s'ils sont bien acceptés, deviennent une source de bienfaits, de joie, d'humilité et d'amour la vie prend une autre couleur, parce qu'on renonce à soi-même, se domine et se vain. C'est là que c'est merveilleux, parce que le mur de la sensibilité, bien plus, le mur plus épais de la susceptibilité, et encore plus le mur immense de l'orgueil, vient à disparaître pour nous rendre souples et abandonnés devant la volonté de Dieu que nous comprenons toujours mieux et qui nous pénètre toujours plus, parce que nous nous vidons de nous-mêmes. Impossible alors d'envisager la vie sous l'aspect d'esclavage devant le devoir d'État. Au contraire, l'esprit est libre, dégagé, et soulève l'être sur un autre palier d'où le regard embrasse un horizon de feu qui est le feu de l'amour. Cet amour brûle les fibres de la concupiscence, de l'atavisme, et nous dégage toujours plus, si bien que la lumière enveloppe toute notre vie et nous comble de bonheur, même à travers les épreuves qui nous assaillent. Tel est le moyen de nous vider et de nous vaincre rapidement nous-mêmes. L'Armée de Marie. Maintenant, quelle a été notre réforme comme mouvement Je crois que l'Armée de Marie a reçu sa large part de joie et d'épreuve. Considérons l'Armée de Marie comme un grand jardin où Dieu a déposé toutes les variétés de fleurs. Les fleurs, c'est chacun de nous. Avons-nous accepté de mourir à nous-mêmes Si oui, ce grain jeté en terre portera d'heureux fruits. Tous sont acceptés dans l'armée de Marie, mais tous n'acceptent pas de mourir à eux-mêmes et ils sont parfois la cause de grandes souffrances, non seulement pour eux-mêmes, mais pour ceux qui les entourent. De plus, nous avons été, comme œuvre mariale, copieusement arrosés lors des tornades qui se sont abattues sur nous. Nous ne devons pas nous arrêter à ceux qui les ont provoqués et les jugés, mais jetez un regard sur les fleurs plus belles et plus solides encore, parce qu'elles sont vivaces. Je vous en supplie, ne nous arrêtons jamais à ceux qui sont sournois et qui, tapis derrière le mur de leurs accusations séditieusement formulées, ne cessent d'agresser la réputation des autres, devenant de vraies bêtes féroces s'ils sont découverts. Nous avons vu de tels agissements. Il suffit pour nous de défendre l'œuvre de Marie, comme le Christ l'a fait pour l'œuvre de son Père. Conservons notre idéal de sanctification, de fidélité à l'Église en vue d'aller au ciel, mais n'allons pas refuser les moyens de nous y rendre rapidement. Rappelons-nous la chanson ⁇ Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. ⁇ Nous pourrions ajouter ⁇ Tout le monde désire le bonheur éternel, mais personne ne veut souffrir. ⁇ Le secret de notre réussite Quand nous acceptons les blessures dans la joie, c'est Dieu qui les pense dans la lumière et l'amour. Signé Mère Paul-Marie.